Alors bonsoir à tous et bienvenue pour ce moment très important de ce festival Demetera, parce que dans quelques instants, on va vous annoncer quel a été le meilleur court-métrage de cette section narrative. Alors avant de procéder à l'ouverture de l'enveloppe et de vous dire le résultat, on aimerait d'abord tous vous remercier pour votre participation. Et le choix a été super difficile à faire parce que la qualité des courts-métrages cette année a été vraiment super. Donc un grand merci en tout cas pour votre participation et bravo à tous. Mais le grand bravo est décerné à The Best Narrative Short is The House of Lekeitio de Jason Urgoitia-Urrutia. Donc un immense merci parce que ton court-métrage nous a beaucoup touchés, aussi bien artistiquement que par son contenu et par le jeu des comédiennes qui est quand même, faut le dire, formidable. Donc bravo et merci pour tout. Et on souhaite le meilleur pour ton court-métrage. Hello everyone and thank you for watching us. I hope you enjoy our online edition and I'm very pleased to announce you the winner of animated short category. So here we go, the moment of truth. The winner is The Wedding Cake by Monica Mazzadelli. Bravo Monica and congratulations to you. Hi, my name is Zoe. I have the immense pleasure of presenting the prize for best short experimental film. This year was incredible in terms of the choices that we had. And this movie moved me very deeply. And so I have the great honor of letting you know who this year's winner is, which is Supernova by Laïs Samburgaro. And we thank you so much for all who submitted and the movies that we got to be moved by. And congrats to Laïs Samburgaro. Thank you so much. Hello everyone! I hope you enjoyed watching our online festival this year. Huge thank you for your comments and your views. I'm honored to announce you the name of the winner of the documentary short category. So, the best documentary short goes to, well, Maxime Priot and his film Gazipur in the Shadow of the Landfill. Bravo Maxime and congratulations! Bonjour, je suis très heureux de vous présenter les gagnants de la section VR de la deuxième édition 2020 du Festival de court-métrage Demetera dans la section VR. Donc, tout d'abord, je tenais à féliciter tous les participants dans la section VR, bien entendu, mais dans toutes les autres sections pour leur qualité et leur travail. Vraiment, c'est un travail exceptionnel ce qu'ils ont fait et notamment, on le voit dans la qualité des œuvres, que ce soit des histoires racontées et des images et de la technique. Voilà. Donc, concernant le gagnant du Best VR Short Film 2020, donc la petite enveloppe à ouvrir, je suis très heureux d'annoncer le gagnant qui est le film Swing de Mary J. Blanchard et de Mark Reich, qui sont deux réalisateurs des États-Unis et qui ont fait un travail exceptionnel sur cette VR, tant d'un point de vue de l'histoire de cette jeune fille que d'un point de vue technique. Bravo, encore bravo.